avec Diego Pérez, Isabelle, suivi de Thibaut Ratel pour la première ligne. Benoît Rossi et Serge Zouili avec le numéro 51. Il n'est pas été donné. Oh, Isabelle! Il va s'envoler là-bas la première ligne, le freinage de Richard Canon là-bas à l'intérieur. Ça passe, ça n'est pas passé pardon, pour Didier Hagner, mais eh bien, il va se contenter peut-être de la troisième place alors que Thibaut Ratel là-bas fait les extérieurs. Est-ce que ça va passer pour Thibaut face à Didier Wagner, le numéro 18? Non, ça ne passera pas pour Didier qui va devoir eh bien, se contenter pour le moment de la quatrième place. Attention, Diego Pérez qui est juste derrière. Allez, Isabelle, elle a pris le meilleur et elle s'empare de cette première place, suivie de Serge Zouili. Attention, Thibaut Ratel à l'attaque maintenant sur les extérieurs pour Thibaut Ratel. Est-ce que ça va passer pour la première place? Attention, Thibaut qui revient avec un peu plus de puissance et il va essayer au freinage d'aller prendre cette première place. Le freinage maintenant et ça va passer pour Thibaut Ratel sur Isabelle. Attention, Serge Zouili. Ah, Isabelle, arrêtez! Isabelle arrêtée au ralenti, non, elle peut repartir, elle est sortie un peu trop large, sinon elle allait au tamis, mais du coup elle a perdu 4 places pour Isabelle. Allez, le meilleur c'est pour Thibaut Ratel qui a pris eh bien, la première place, suivi de Serge Zouili à la deuxième place, Diego Pérez à la troisième. La quatrième place pour Didier Wagner, la cinquième pour Isabelle, la sixième place pour Hugo Tossi, le numéro 20, la septième place pour Dimitri Martinez, la huitième place pour Romain Giraud. Diego Pérez face à Serge Zouili et Isabelle qui va aller prendre une place devant Didier Wagner. Et là-bas, la bagarre pour la deuxième place entre Diego Pérez et Serge Zouili. Attention, Isabelle qui a l'air bien en forme là pour aller chercher pourquoi pas une belle deuxième place alors que Thibaut Ratel a fait l'écart maintenant. Est-ce que ça pourrait passer pour Isabelle? Aller chercher les deux camarades de devant. Ça a failli partir à la faute pour Serge Zouili. Attention aussi à Didier Wagner qui n'a pas dit son dernier mot derrière Isabelle. La voiture à point au numéro 2. Didier Wagner avec son numéro 18 qui va peut-être tenter pourquoi pas quelque chose. Attention derrière avec Grégory Tossi qui pourrait essayer d'en profiter avec son numéro 1. Ça ne passera pas Isabelle le retour. Alors que Romain Guéraud est parti à la faute là-bas. Et le passage d'Isabelle à l'intérieur sur Serge Zouili. Attention, pas sortir trop large pour ne pas se faire eh bien, repasser devant par Serge Zouili. Non, voilà qui est fait pour Isabelle qui vient de prendre la troisième place. Quelle belle remontée de la part d'Isabelle qui va essayer maintenant d'aller chercher Diego Pérez, le numéro 73 à la deuxième place. Toujours Didier Wagner maintenant, attention à la lutte avec Grégory Tossi qui revient derrière lui avec son numéro 1. On va surveiller ça de près, la bagarre pour la cinquième place pardon, entre Grégory et Didier Wagner. Attention aussi à Isabelle parce que derrière ça n'est pas fait. Serge Zouili est à l'affût d'une erreur pardon, de la part d'Isabelle. Allez, le retour de Thibaut Ratel, suivi de Diego Pérez, toujours Isabelle pour la troisième place, la quatrième place pour Serge Zouili, la cinquième place pour Didier Wagner, Diego Ratel aussi. Allez Isabelle, ça revient dans les lignes droites, attention le freinage là-bas, face à Diego Pérez. On va suivre ça de près, peut-être pourquoi pas une attaque dans la remontée entre le poste 2 et le poste 4. Ah, elle a reperdu du terrain Isabelle à la sortie du poste numéro 2, ça risque d'être compliqué pour elle. Et devant, eh bien Thibaut Ratel qui route tout seul. On va chercher une victoire, une de plus cette saison. Pour le pilote de Cavalin avec ce numéro 27. Avec son numéro 2 toujours à la troisième place. Allez, attention, la ligne droite
vous avez dans la vie qu'elle rattrapez bien les vos pérès dans cette ligne droite, mais ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant là pour Isabelle, on va voir si elle va réussir à la sortie de ce poste 2. À chaque fois elle perd du temps, cette fois-ci elle en a perdu moins peut-être. Ce sera suffisant pour elle pour aller chercher eh bien, dans le dernier tour après une belle deuxième place. Attention là-bas à Diego Pérez qui sort large et qui est parti frotter le talus. Attention, il a reperdu du terrain Isabelle. On a vu qu'elle était très à l'aise dans la dernière partie de ce circuit. On va voir si elle va réussir à remonter sur cette deuxième place et pourquoi pas aller la chercher. Là derrière, Thibaut Vatel qui va, je pense, rentrer dans le dernier tour maintenant. Le freinage d'Isabelle qui a regagné encore quelques mètres. Le retour maintenant dans la ligne droite, Diego Pérez qui va ressortir un peu large. Attention à l'accélération maintenant. Isabelle qui va se décaler à l'intérieur pour aller chercher cette deuxième place. Et ça devrait le faire pour Isabelle. Diego Pérez qui va aller redécroiser là-bas. Le croisage maintenant de Diego Pérez qui va essayer de repasser à l'intérieur. Les deux pilotes qui arrivent au coude à coude entre Isabelle et Diego Pérez. Voilà qui est fait. Isabelle, je vous l'avais dit, elle a pris du grade, elle a pris confiance en sa machine. Attention, Diego Pérez, c'est pas fini. Avec son numéro 73 qui va remettre le couvert peut-être là-haut dans la montée. Ouh là là, il a failli partir à la faute. Attention, Agnès Gallon qui vient de prendre un tour maintenant par Thibaut Vatel et qui l'a très gentiment laissé passer, bien évidemment, sous le drapeau bleu. Isabelle qui arrive avec Diego Pérez. Toujours Sergio Zulli. Attention, parce que derrière Diego Pérez aussi, il est revenu sur Serge. Alors que c'est maintenant l'arrivée et la victoire dans quelques instants maintenant pour Thibaut Vatel. Là voilà la victoire pour le numéro 27 et surtout la très très belle deuxième place et la tête là-bas de Grégory Tossi qui est venu chercher la quatrième place juste derrière Diego Pérez. La cinquième place pour Serge Zwilly devant Didier Hoffner qui termine à la sixième place. La septième place pour Dimitri Martinez, le numéro 5. Et l'arrivée dans quelques instants pour Frédéric Debert, le numéro 72. Suivi de Julien Schell, le numéro 26. Là voilà l'arrivée pour les deux pilotes.